Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences, la tribune qui vous donne l'information en temps réel, la tribune qui vous décortique l'actualité à 360 degrés, la tribune, n'est-ce pas, qui est à votre disposition nuit et jour. Chères dames, chers messieurs, et en ce mercredi du 14 août 2024, les Ivoiriens se sont réveillés avec la nouvelle selon laquelle le Maroc instaure un visa entre la Côte d'Ivoire et son pays. Donc désormais, avant de rentrer sur le territoire marocain, les Ivoiriens doivent produire un visa. Alors, ce débat un peu partout sur la toile ivoirienne, les Ivoiriens sont paniqués, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, puisqu'il faut dire qu'au Maroc, il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens. Oui, c'est l'occasion pour moi de saluer un de mes partenaires ivoiriens, le détenteur du plus grand restaurant africain qui fait la cuisine africaine à Marrakech. Voilà. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens au Maroc. Beaucoup viennent aussi pour chercher à traverser. Voilà, beaucoup viennent. Ils contactent les Tchéman pour pouvoir traverser. Beaucoup viennent pour chercher le Jossi, comme ils le disent en Côte d'Ivoire. Mais avec cette décision qui est annoncée, vous savez, si c'est le visa Afrique, c'est très facile. L'AVM, c'est facile. Mais le visa, c'est difficile. Les conditions sont vraiment rigoureuses. Et c'est ce qui est annoncé. Mais ce que les Ivoiriens n'ont pas compris, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Ce n'est pas le Maroc qui a instauré. Non, loin s'en faut, ce n'est pas le Maroc qui a décidé. Oui, le Maroc n'est pas à la base. Ce n'est pas le Maroc. Qui a donc décidé de fatiguer ainsi les Ivoiriens? Qui a eu cette pensée suffisamment négative de vouloir fatiguer les Ivoiriens? Puisque lorsque vous êtes des pays comme ça, voilà, en Afrique, on devrait normalement supprimer le visa pour tous les pays. Mais au contraire, au lieu de supprimer, on cherche, c'est-à-dire là où il n'y a pas visa, on instaure visa. Ouais, ça c'est une pensée suffisamment machiavélique. C'est-à-dire, celui qui a eu cette initiative, je ne peux rien dire à propos. Et donc c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Nous allons donner tous les détails. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes de la République de Côte d'Ivoire. Oui, et vous pouvez partager même sur les pages si vous êtes ivoirien, puisqu'on va donner les véritables raisons. Que les gens sortent, que les Ivoiriens sortent du noir, qu'ils voient clair dans cette affaire. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, voyez-vous, chères dames, chers messieurs, chaque jour que Dieu fait, quand nous disons que le régime de Alassane Dramane Ouattara n'est pas pour le bien du peuple ivoirien, les gens ne nous croient pas. Nos frères et sœurs, la Côte d'Ivoire, pensent que nous voulons juste parler pour parler, ou bien c'est pour chercher des vues. Vous avez la preuve ici. C'est le régime de Ouattara qui a donné l'information officielle au ministère des Affaires étrangères marocaines. C'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc qui a informé le ministère marocain des Affaires étrangères de l'intention de la Côte d'Ivoire de vouloir instaurer le régime de visa d'entrée sur le territoire marocain de ses propres compatriotes. Et ça, ça va débuter le 1er septembre et ça prendra fin 2 ans après. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Abidjan qui a informé Rabat. Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui a pris la décision là. Ce n'est pas le Maroc. Non. Habituellement, c'est le pays concerné qui dit bon, vu le comportement néfaste ou le comportement irrégulier des ressortissants de tel pays, nous allons instaurer un visa pour mieux contrôler
le flux migratoire, etc., etc., pour des raisons de sécurité, etc., etc. C'est le pays d'accueil qui doit prendre cette décision. Mais on assiste à l'inverse. Ouais, le pays d'accueil ne dit rien. Les Marocains, les autorités marocaines sont assises au calamar dans une paix samouraïtique avec les Ivoiriens qui arrivent sur le territoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens au Maroc. J'en ai rencontré beaucoup. Un peuple très accueillant. Je vous dis, oui, c'est l'occasion pour moi de saluer depuis Agadir, oui, de saluer ma tutrice qu'on appelle Choubey, oui, Yolande. Et tu es salué depuis Agadir. Oui, c'est l'occasion pour moi de saluer Déborah depuis Agadir, toutes des Ivoiriennes. C'est l'occasion pour moi de saluer Clemso depuis Marrakech, des gens qui m'ont accueilli. Des Ivoiriennes, des Ivoiriens qui résident au Maroc depuis 1900 Hoïhaï et qui n'ont jamais créé d'ennui aux autorités. Ces gens sont là-bas, ces gens font leur boulot. Petit à petit, chaque fois ils envoient de l'argent au pays. C'est ce qui fait mal à Ouattara. Pourquoi instaurer le régime de visa? Pourquoi instaurer le régime de visa? Mais Ivoiriennes et Ivoiriens, posez-vous la question. C'est quoi le problème? Vous avez fait quoi à Ouattara pour qu'ils disent il faut visa entre vous et le Maroc? Ah oui, parce que c'est la route facile pour aller en Beng. Ah oui, parce que le Maroc c'est le Beng de beaucoup. Hein? C'est à cause de cela. Chères dames, chers messieurs, je suis confus. Je voudrais que les Ivoiriens me donnent la réponse. Comment un régime peut s'asseoir à réfléchir pour dire, bon, je veux qu'il ait des visas pour mes propres compatriotes. Pendant que les autres pays d'Afrique se battent, on a vu le Rwanda, la Tanzanie, qui se sont battus pour supprimer le régime de visa entre eux et d'autres pays d'Afrique. Mais lui, il vient instaurer le régime de visa. Ah ouais. Peut-être c'est pour limiter les exilés politiques, puisqu'il sait ce qu'il va faire en 2025 lors des élections. Qui sait? Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Ivoiriens sont simplement déçus. Mais vous n'avez rien vu encore. Tout ce qu'on a toujours dit sur le régime de Ouattara, sur Ouattara, moi je ne suis pas Ivoirien. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est sa politique. C'est sa ligne politique. C'est contre ça que nous sommes. Tout ce qu'on a toujours dit, vous allez voir ça avec vos deux yeux. Ouais, vous en avez la preuve. Donc, pas besoin de vous énerver. Appréciez d'ailleurs Ouattara, il faut le féliciter. Ne soyez pas surpris de cette décision. Ce n'est pas le Maroc qui a pris cette décision. Ça doit être clair. Oui, ce sont les autorités ivoiriennes qui ont pris la décision pour pousser le Maroc à accepter. Pour le moment, le Maroc ne s'est pas encore prononcé. Le Maroc pourra faire quoi? Si l'autorité ivoirienne elle-même a peur de ses propres compatriotes, le Maroc va faire quoi? Le Maroc ne va faire que acquiescer, prendre note, et puis ça entre en vigueur. Et puis voilà, vous voulez aller au Maroc, désormais vous êtes ivoirien, il faut monter, il faut escalader la montagne de Glouglou, descendre la montagne de Galagala, Glouglou, Galagala, Glouglou, Galagala, avant d'avoir le passeport et le visa pour partir. Comme si le Maroc c'était Paris, comme si le Maroc c'était Mbeng. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne serai pas très long. Merci à toutes et à tous. Partagez cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.